gentlemen, meet the Sweethearts of Rhythm. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un orchestre finalement assez peu connu, né à la fin des années 30 et qui allait se révéler être l'un des meilleurs big band swing des années 40. Il s'agit d'un orchestre entièrement composé de femmes, The International Sweethearts of Rhythm. C'est vraiment le premier orchestre féminin qui compte dans ses rangs des musiciennes noires, asiatiques, blanches, portoricaines, jamaïcaines. On appelait ça un « integrate big band », un orchestre intégré. Avant cela, il y avait eu quelques autres petites formations féminines, mais jamais mélangées, comme dans cet orchestre qui comptait en ses rangs une équipe de merveilleuses musiciennes représentatives des multiples cultures présentes aux USA. Le groupe est fondé par Lawrence Jones, qui était le directeur d'une école de musique dans le Mississippi dans les années 20. À la fin des années 30, ils fondent un chœur exclusivement féminin qui se produit dans le Mississippi. Le groupe a tellement de succès qu'ils décident de créer un orchestre de swing exclusivement féminin en 1937. L'orchestre est composé de jeunes musiciennes de l'école. Là encore, le succès est tel que la plupart quitteront l'école et décideront de monter leur propre formation qui va s'appeler les International Sweethearts of Rhythm. Le premier arrangeur et directeur musical de l'orchestre s'appelle Eddie Durham, un guitariste arrangeur de Kansas City qui a contribué notamment à l'émergence de l'orchestre de Count Basie et Benny Moten au début des années 30. Eddie Durham écrit les arrangements et aide l'orchestre à s'identifier aux meilleures formations de Kansas City, qui est l'une des grandes capitales du jazz des années 30-40. Eddie Durham est remplacé quelques années plus tard par Jesse Stone, un autre chef d'orchestre de Kansas City qui plus tard fera une belle carrière dans le rock'n'roll. Ses origines de Kansas City donnent à l'orchestre un son bien particulier, construit autour du blues et de l'utilisation de riffs savamment orchestrés. Les Sweethearts ont parmi elles quelques solistes exceptionnels comme Vi Burnside, une saxophoniste ténor, ou la trompettiste Ernestine Tiny Davis. Nous allons écouter Vi Burnside, dont le jeu est un mélange subtil de Ben Webster, Coleman Hawkins, mais aussi Lester Young. Cet enregistrement que nous allons entendre a été réalisé en conditions de concert, pas de montage, tout est direct comme cela se faisait à l'époque. Ce morceau s'appelle Galvanize et met en vedette Vi Burnside au ténor, Tiny Davis à la trompette et Pauline Brady à la batterie, qui était une élève des grands batteurs Zooty Singleton et Papa Joe Jones. Voici Galvanizers, girls, Galvanizers! Thank you.
les années 40, cet orchestre se produit dans toutes les grandes salles de danse du pays. Et partout, c'est le même enthousiasme devant cette formation impeccable qui produit un show d'une qualité exceptionnelle avec un son et des chorégraphies extraordinaires, spectaculaires, où les musiciennes jouent et bougent à l'unisson. Durant les années 40, il est fréquent de voir deux ou trois orchestres programmés le même soir, dans la même salle, afin de pouvoir se relayer et animer la danse non-stop. C'est ainsi que les Sweethearts se retrouvent à l'affiche avec des orchestres comme ceux de Fletcher Anderson ou Benny Goodman, et loin de faire pâle figure, elles sont très souvent plébiscitées par les danseurs, enthousiasmés par leur charme et la qualité de leurs prestations. Écoutons à présent la batteuse Pauline Brady, vedette de ce titre intitulé « Lady Be Good », magnifique arrangement du milieu des années 40. Comme je vous l'ai dit plus tôt, cet orchestre comprenait quelques solistes remarquables dont la fameuse Vi Burnside. À la basse, Caroline Ray est aussi remarquable de précision et d'inventivité. Nous allons maintenant écouter Slightly Frankie qui la met en valeur. Faites attention au style impeccable de ses lignes de basse dans le plus pur style de Jimmy Blanton. Thank you.
une des questions qui revient souvent dans les discussions qu'on a sur l'histoire du jazz concerne le peu de place accordée aux femmes et à leur capacité d'innovation dans cette musique. À cela, on pourrait répondre que, comme dans nombre d'autres disciplines, les femmes étaient là, mais on ne leur laissait pas la place qu'elles auraient pu occuper, en particulier au niveau instrumental, car il est vrai qu'un bon nombre de vocalistes célèbres sont des femmes. Mais on peut aussi penser que des instruments comme les cuivres ou les saxophones n'étaient pas spécialement recherchés lorsque les petites filles faisaient de la musique et on pouvait compter sur les doigts d'une main celles qui décidaient finalement de jouer du trombone ou de la trompette, instrument réputé physique et mal adapté à la morphologie féminine. Les premières musiciennes de jazz célèbres dont le nom vient à l'esprit sont peut-être les pianistes Mary Lou Williams ou Lil Hardin, qui était la femme de Louis Armstrong. N'oublions pas non plus que le jazz a pendant longtemps été pratiqué dans des lieux malfamés, associés à la prostitution, à la prohibition, à la consommation d'alcool, de drogue et dans des salles de jeu. Si on associe à cela la ségrégation raciale qui sévissait dans les États du Sud des États-Unis, on n'avait vraiment pas de quoi encourager les vocations féminines pour pratiquer le jazz. Depuis, de nombreux exemples démontrent le contraire et on ne compte plus le nombre de femmes trompettistes, trombonistes, saxophonistes ou cornistes qui peuplent notamment les orchestres classiques, mais aussi ceux de jazz ou de variété. L'une des raisons pour lesquelles les International Sweethearts n'ont pas trouvé une plus grande reconnaissance après les années 40, tient probablement au manque de management sérieux. Et j'ai cru comprendre que certains managers avaient aussi confondu la caisse de l'orchestre avec leur propre poche. À cela, on peut ajouter que les big band swing ont peu à peu décliné dès le milieu des années 40 pour céder la place aux plus petites formations bebop qui attiraient un nouveau public, plus à la recherche de complexités harmoniques et mélodiques. Il n'empêche que ce merveilleux orchestre produisait une musique intéressante, dansante, basée sur des arrangements de grande classe, sans compter le show visuel que proposaient ces musiciennes lorsqu'elles exécutaient des chorégraphies impeccables. Nous allons clore cet épisode par une archive enregistrée lors d'une émission de télévision dans les années 40 et qui met en vedette la saxophoniste Vi Bernstein au sommet de sa forme. À bientôt pour de nouvelles aventures.